Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Parlons processus électoral en République démocratique du Congo, campagne électorale. Le numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé ce mercredi 22 novembre 2023 sa tournée dans le Congo central. Il était pour sa dernière étape à Kimpese et Mbanzangungu. Le test grandeur nature de dispositifs électroniques de vote dans les antennes de la Commission électorale nationale indépendante CENI de Kinshasa et du Congo central a débuté. La centrale électorale a prescrit une mission à une équipe de la cellule de communication. Autre détail dans ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante a prescrit une mission à une équipe de la cellule de communication pour retracer les opérations de test grandeur nature des dispositifs électroniques de vote dans les 12 antennes de la centrale électorale de Kinshasa et des territoires de Kasangoulou et de Madimba dans le Congo central. L'objectif de cette opération, en croire les suppléants du superviseur empêché, est de tester son fonctionnement ainsi que les batteries externes, mais aussi évaluer le temps qu'elles tiennent, en plus expérimenter le système de transmission des données, comme en situation réelle, dès que cela se passera le jour du vote, le 20 décembre 2023. C'est dans les mêmes conditions que se passera le test. Ainsi, il a été relevé tout ce qui aura été observé pour améliorer le fonctionnement du système et faire des réglages qui conviennent. Ce n'est qu'après tout cela que sera assuré qu'il n'y aura pas de problème. À ces tests participent des formateurs électoraux provinciaux et les formateurs électoraux territoriaux qui sont en session de formation présentement. 700 bulletins de vote ont été mis sur chaque machine qui permettra de voir comment elles réagissent et se comporte après une importante série d'opérations de vote durant cette journée où les bureaux de vote seront pris d'assaut par une multitude d'électeurs. Objectif, la certitude qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, par exemple des machines qui lâchent durant le déroulement du vote. Le tout étant de vérifier lorsque la machine est encore fraîchement mise en marche et après le rythme qui lui sera imposé au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. La démarche consiste donc à suivre la supervision qui est faite des devs anciennement connus sous l'appellation des machines à voter, des essais qui permettront de jauger leur capacité en situation réelle des opérations de vote. Ce matériel est intégré au processus électoral pourvu d'un logiciel amélioré en vue de renforcer la sécurité et l'efficacité du système mis en place par la CENI. Le préparatif de scrutin combiné du 20 décembre 2023 était au centre des entretiens entre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kedima Kazadi, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. La chef de la mission diplomatique américaine a réaffirmé la volonté de son pays à soutenir les élections transparente et crédible en République démocratique du Congo. Suivez. Au cours de cet échange avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la RDC, Lucie Tamlin, a réaffirmé la volonté de son pays à soutenir des élections transparentes et crédibles en RDC. À cet effet, la chef de la mission diplomatique américaine a souhaité le renforcement des mesures de transparence de la part de la CENI en vue de garantir la crédibilité des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Et je voulais dire à quel point nous sommes un partenaire sincère et engagé pour soutenir les élections sûres, transparentes, crédibles et qui va représenter la volonté du peuple congolais. Nous sommes venus ici avec une délégation américaine pour échanger avec le président du CENI, faire un peu l'état de lieu des préparations pour les élections. On a parlé des sujets évoqués dans notre dernière déclaration il y a 10 jours et on a échangé par rapport à l'état des préparations. On a mis l'accent sur l'importance de continuer avec la bonne communication, de faire des efforts pour renforcer les mesures de transparence, pour rassurer la population que les mesures sont prises
pour une élection crédible. Surtout, nous avons parlé des questions qui, je sais, est le sujet du jour, les cartes dans lesquelles il y a un problème avec les écrans. Et donc, le président nous a parlé des mesures qui sont mises en place pour assurer la duplication et donner une nouvelle carte pour ceux qui ont ce problème. Donc, c'est ce genre de choses dont on a discuté. Et finalement, on a conclu avec l'importance de continuer ces mesures de transparence et de communication. Tout bien considéré, l'importance de continuer dans la transparence avec la bonne communication et les souhaits de l'ambassadeur des États-Unis. Au demeurant, la CENI est plus que jamais engagée dans cette voie afin de sensibiliser davantage les populations à s'approprier le processus électoral. Toujours au processus électoral, les évêques de la SANCO ont adressé un message à la population en cette période de campagne électorale. Ils en appellent à un choix responsable. Suivez le résumé de ces messages avec Monseigneur Donatien Cholet dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Nous n'en sommes pas au premier cycle électoral. À chaque processus électoral, nos pères des évêques ont toujours fait des recommandations. Pour ce cycle-ci, ils ont fait ces recommandations à Lubumbashi par rapport à la campagne électorale. C'est le moment de bien juger la pertinence et la faisabilité des promesses qui seront faites par de nouveaux candidats. Donc, c'est la période pour convaincre ces électeurs. Ce n'est pas un lieu d'insulter, ce n'est pas un lieu de violence. La campagne doit maintenir la cohésion nationale. Et aussi, comme les évêques l'ont dit à Lubumbashi, les élections, c'est l'occasion de renouveler la confiance à ceux qui ont bien travaillé, ceux qui nous ont bien servi, ceux qui ont servi le pays. Il y en a certainement, mais c'est aussi l'occasion de sanctionner de ceux qui n'ont pensé qu'à leur ventre, à leur famille, à leurs intérêts. À Lubumbashi particulièrement, les évêques ont attiré l'attention sur l'éthique des personnes appelées à gérer le pays. Ils ont demandé de dire non aux opportunistes qui changent de camp. Donc aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là, sans idéologie, sans conviction, simplement, comme on dit à Lingala, donc sans conviction, les évêques déconseillent ce genre de dirigeants. Ils déconseillent aussi de voter ceux qui ont comme suppléants leurs membres de famille, femmes, enfants, frères et sœurs, cousins et cousines, et aussi à ceux qui postulent à tous les niveaux, ça, il y a quelque chose qui ne va pas, et aussi à ils déconseillent de voter les tribalistes, les népotistes, et aussi ils attirent l'attention du peuple congolais sur l'achat de conscience. Et alors là, ils insistent sur le fait que on doit voter en conscience. Les discours de campagne que tiennent les candidats à l'élection du 20 décembre 2023 sont suivis de près par la population. Séraphin Yokai et Bob Zamba ont recueilli la réaction de quelques Kinois. Suivez. Les messages transmis par les candidats, tant présidents de la République et députés nationaux ou provinciaux, pendant leurs discours de campagne, suscitent des réactions au sein de l'opinion. Jusque-là, je suis en train de suivre le message du président de la République en place, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Mais d'autres messages jusque-là, en tout cas, je ne suis pas au courant de ça. Je suis seulement le message du président de la République actuellement. Même hier, j'étais devant la télévision, je n'ai pas vu d'autres présidents. Je n'ai pas vu d'autres candidats. Nous attendons peut-être 2 ou 3 jours
nous saurons quand même qu'est-ce qu'on peut dire. Ton message quand même est bon jusque-là. Ce projet, il doit continuer quand même à poursuivre là où il n'a pas travaillé, le long chemin qu'il a établi, il doit continuer à poursuivre. Alanda qui, parmi les candidats présidentiels, les campagne à Bambou. Ouais. Je suis président le président Félix Assenga Bisso. Alors, je suis un bon pour le président Bisso. Je suis un bon pour le Congo. Et faire ce que je veux dire. Peuple, je suis un changement, je suis un bien. Je suis un président Félix. Je suis un bon Moïse. Je suis un bon moko. Et le bon moko, je suis un président pouvoir. Est-ce que Bango va recevoir le coin? Batika, président Félix, Asala, Aloba, Ami Mabiso, Nenga, le premier Tabiso, Namboka ya Congo. Botique l'état, Naba Oazo Salaya, Mike, Mike de Romonan. Tozalakina, le coin Félété, et commis. Aïe, n'a la revoté, Mokonzamboka qui s'est dit, président de la République, Ponangaï, n'a revoté. Mais Tango a roléka, il faut Akanisa, Maloba, Aloba. La République démocratique du Congo vit au rythme de la campagne électorale où tous les candidats aux différents scrutins se bousculent pour convaincre leur base. Cependant, une question se pose. Quelles sont les attentes de la population auprès de ces candidats, notamment à la présidentielle? Quelques Kinois ont donné de la voix au micro de Maxime Makabou et Moron Djambé. Ouais, bon, on est habitué à cela. Nous ne sommes pas à notre premier exercice. Vous savez, les discours, on en a tant entendu. D'ailleurs, moi, je me dis, il n'y a pas personne qui nous fera de très bons discours comme vous tous. Quand vous suivez, il y a des candidats qui vous font pratiquement le discours. Vous pensez, non, écoutez, demain, le Congo sera le Miami. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. Bon, puisque nous n'avons pas vraiment la vraie culture, on peut le dire, la véritable culture, lorsqu'on vient avec un discours, le projet qu'on a et que les lendemains, près de nous, on l'applique. Ça a toujours été ainsi. Enfin, on peut faire, on peut avoir un bon discours et sur le terrain, il y a d'autres réalités. Moi, je pense que peut-être c'est une façon de mobiliser les gens et tout ça, mais en toute sincérité, quant à moi, par rapport au discours, je crois que ça ne m'impressionne pas tellement. C'est-à-dire, c'est voir quelqu'un en action, mais voir, puisque moi, c'est le congrès, c'est le pragmatisme sur le terrain. Mais les discours, je crois qu'on peut faire un bon discours, mais en exécution, ça devient autre chose. Ça beaucoup plus. Je pense que les Congolais doivent d'abord savoir qu'est-ce que nous devons saisir. Nous devons saisir l'opportunité. Cette opportunité nous demande, c'est un devoir. C'est un Congolais, un patriote, pour diriger le Congo. Parce que le Congo était déjà vendu depuis 1960. Lumumba est arrivé au pouvoir, les Américains lui ont demandé de balkaniser le Congo. Lumumba a refusé. On l'a tué, on l'a mis Mobutu. Mobutu lui a fait suivre de Tutsi qui ont dirigé pour lui. Et après cet outil-là, Mobutu s'est détourné, il a dit, après moi, ce sera le délire. Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas vendre le Congo. Mobutu a refusé, il est parti. Ils ont amené Kabila. Laurent Désiré arrive ici. Il est venu comment? Il était derrière une rébellion comme porte-parole. Mais lorsqu'il est arrivé à la fin, il a dit non, je me te proclame. Parce que je ne peux pas céder le pays. Arrivé ici, il nous a dit, ne trahissez jamais le Congo. Le Congo ne sera jamais trahi. C'est cette parole qui l'a fait partir. Aujourd'hui, nous avons Félix. Kabila est arrivé, il a dirigé 18 ans. Après les 18 ans, nous avons connu combien de mixages dans notre armée. Vous savez, quand on mixe une armée, c'est une façon de l'affaiblir. On nous amène des étrangers parce qu'on veut que les intérêts du Congo puissent partir à l'extérieur.
Parlons d'autre chose. À présent, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, a fait part de la mission portant de la mesure portant interdiction de tout militaire congolais d'avoir de contact avec leur homologue rwandais sous peine de subir la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires de l'armée congolaise. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont entériné mardi 21 novembre 2023 un plan de désengorgement visant le retrait progressif de la MONUSCO. Un acte salué par les Kinois qui ne jurent qu'au départ sur le sol congolais de cette force onusienne au regard de leur bilan. Ils se sont exprimés au micro de Maxime Akabou et Mourou Njambé. La plupart des Kinois se réjouissent après l'entérinement mardi 21 novembre du plan de désengagement entre le gouvernement de la RDC et la MONUSCO visant le retrait progressif de cette mission onusienne sur le sol congolais. À en croire ces derniers, les bilans de la MONUSCO en RDC est largement négatif car disent-ils ne pas parvenu non seulement à sécuriser les populations civiles mais aussi à restaurer la paix. On attendait ça, parce que c'est un grand souci du peuple congolais que nous constatons à peine mis en exercice dans notre pays. Je ne sais pas, les gens là, ils font quoi dans notre pays? Parce qu'il y a de guerre, il y a partout des tueries, etc., etc. Je ne sais pas la mission que j'ai voulu faire ici en RDC. Pour moi, c'est une décision salvatrice dont il faut que le gouvernement se prenne en charge de le faire partir immédiatement. Parce que je compte de moi. Parce que je vois, il y a des guerres partout. Ils sont là pour mettre la paix, chercher un climat sain dans notre pays. Mais effectivement, nous comprenons qu'il y a toujours des problèmes sur les problèmes. Nous avons une armée forte. Je sais que si on met des moyens, l'armée doit se prendre en charge. MONUSCO, Banda Yanambokaou, Asalimini, Tassalanini. Le lobby tout le monde, tout le monde a bandé pour la bise, tout le monde a passé pour la boutoumoy, basa collé là. En complicité dans mon escort, puisque tant il y a, aux hommes pour l'onda, ton yoga n'a mouninga, ton yoga sous la laï, yo si go mouninga, au combo par le kilangai, au combo comme à tabatou, au combo le gisabaro, la simanda ou bako mo tchanga mbeli na mouton, et c'est moi la recevra. L'engagement n'a pas été joué qui, en tout cas, et ça fondé, MONUSCO a tendé, Nengo le bâti de Rosombi Samboka, et on a même pas barré un mot au poteau moïno. Pour moi, on va bien avoir un poteau moïno. Peut-être que c'est pas raté. Parlons société avant de nous séparer. Il est difficile de prendre une maison en location à Kinshasa. Malgré vos moyens, en effet, la garantie locative exigée aux requérants par les tenanciers de maisons à louer va généralement au-delà de ce que prescrit la loi. Reportage.
La garantie locative exigée aux requérants par les tenanciers de maisons à louer va généralement au-delà de ce que prescrit la loi. Chaque propriétaire de maison fixe les prix à sa manière et comme conséquence, il y a deux personnes capables de payer mensuellement un loyer mais se voient refuser la maison car ne disposant pas de garantie locative fixée par les bailleurs. En effet, au lieu de 3 mois pour un loyer résidentiel, on peut exiger 10 ou plus de mois. Ce, en l'encontre de la loi relative aux baux à loyer non professionnels. Normalement, le critère s'il n'est pas respecté à cause, par exemple, de modification de la maison. Oui, quand vous voulez modifier la maison, ça demande beaucoup d'argent, puisque il y a des fois, selon locataire, il peut demander que moi je veux que vous puissiez me mettre les carreaux. Avec l'argent de garantie que j'ai, ça ne peut pas convenir, peut-être. C'est là où il y a, on demande maintenant l'anticipatif. Donc l'anticipatif ne peut pas dépasser 2 mois. Il y a des fois où bailleur avait pris, par exemple, l'argent de locataire de 10 mois. Il est maintenant dans l'impossibilité de le remettre. C'est pour cela qu'il demande maintenant un autre locataire qui vient pour rembourser l'argent d'autrui. C'est ça qui fait que non. Mais en tout cas, ces cas-là, ce sont des cas qui sont moins rares. Loin, ils ont déjà un lobby, maison de résidentielle 3 mois, maison commerciale 6 mois, maison industrielle 12 mois. Ils ont déjà un. Si vous avez un courtier immobilier, communément commissionnaire, vous avez un dénoncé. Mais vous avez un pouvoir, une capacité à imposer. Parce que ce qui n'est pas un bailleur, a lobby au lieu de 3 mois, il y a 6 mois. Yo soro boy, ngaso na boy, compréhension na ngaza ya mususute. Mususu oyana na ndimi a convaincre qu'il y a pas 6 mois bien 8 mois. Si on gana la ntala, si on tana mona 2 fois 3 fois na la ntala, na sa ni na la ntala rythme. Isaï baba ya rebelle ba respecter la pénal loi wana ti. Plusieurs bailleurs ne respectent pas cette loi. Je suis toujours remonté contre les bailleurs qui fixent les pays. Je suis toujours remonté contre les bailleurs qui fixent la garantie locative à 10 mois. Ceci nous met, nous locataires, en difficulté parce que vous pouvez trouver une belle maison, mais la condition est de payer 10 mois de garantie locative. Et en plus, ils vous répondront, si vous n'êtes pas d'accord, allez chez l'État car c'est lui qui a fixé ces 3 mois. Mais ici chez nous, c'est 10 mois. Donc ça nous met en difficulté, en tout cas, que l'État suive de près les bailleurs qui sont dans ces chambres d'affaires. Promulguée depuis décembre 2015, la loi relative aux baux à loyer non professionnels peine à être respectée par le propriétaire de maisons à louer. Alors que la loi stipule que la garantie locative ne peut excéder une somme équivalent à 3 mois de loyer pour le bail résidentiel, 6 mois de loyer pour le bail socioculturel à Kinshasa, certains bailleurs demandent jusqu'à 10 mois de garantie locative. Personne n'est au-dessus de la loi, dit-on. Si le gouvernement doit faire respecter la loi sur le bail à loyer, les tenanciers de maisons en location doivent prendre conscience des conséquences que le non-respect de la loi peut avoir sur la société et sur... Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Au revoir.